Bonjour et bienvenue dans Full Set Mega Drive. Aujourd'hui, The Revenge of Shinobi. On reste sur un jeu de ninja aujourd'hui pour faire suite à Ninja Warrior sur NES de Full Set NES. Donc pour faire le comparo, on est en 89 également et la Mega Drive arrive avec The Revenge of Shinobi. Deuxième épisode de la série, après Shinobi sorti en 87 sur Master System, et on verra la suite, donc Shinobi 3 sorti en 93 sur Mega Drive également. Donc on va lancer le jeu. Première BO annoncée avec, c'est la première fois qu'on voit une BO annoncée avec son auteur, donc Yuzo Koshiro, qui est aussi donc l'auteur des BO de Street of Rage. Sous-toi, Yuzi, va, allez hop. Hop, allez, ça on l'a déjà vu. C'est quasiment un reboot par rapport au premier épisode, donc on a une utilisation de 3 boutons. Le scénario, on joue Joe Musashi qui doit sauver. Ah merde, putain, alors ça c'est le problème de la Mega Drive. C'est l'utilisation du bouton A pour en fait qui te balance la furie. Et c'est parfois le premier bouton que tu utilises. Et tu vas. Voilà. Donc, nous incarnons Joe Musashi qui doit sauver sa copine de l'organisation Zeal. Alors. C'est un peu dommage d'avoir déclenché mon ultra maintenant. Tiens, hop. Donc là. Alors c'est rigolo parce que du coup on a le même type d'ennemi que dans Ninja Gaiden. Et je me fais toucher comme un caca. Merci pour les kunai. Ah, ça, c'est des... Alors, je dirais que c'est des kunai. Mais on pourrait penser que c'est une paire de ciseaux. Alors ça c'était une bombe en fait. Depuis tard je me fais toucher comme un con par des bombes. Tiens, on a un peu l'impression que les ninjas bleus sont en tenue d'infirmier en fait. On se fait attaquer par des urgentistes, des médecins urgentistes ninjas. Donc ça va, eux. Alors c'est rigolo, c'est rigolo, la hitbox de la lanterne qui est touchée, enfin qui passe pas en haut mais qui passe en bas. Alors, du kunai. Alors, on peut pas tirer. Enfin, on peut vraiment lancer que devant ou. Il allait des étoiles, des shurikens à l'infini, lui. Je suis mouru. C'était pas le bambou. Hop là. Donc, vous l'avez remarqué, les... Et tu veux pas mourir? Enfin, alors c'est un peu frustrant d'être le seul à se faire défoncer par les bambous alors que les ennemis passent dessus comme des danseuses. Ok, je l'avais pas vu celui-là. Ok, je vais me faire toucher comme un caca. Oui, Shinobi qui est sorti aussi sur Game Gear. Alors, truc un peu rigolo, donc le premier donc s'appelle Shinobi. On a donc The Revenge of Shinobi. Pour ceux qui n'ont pas eu la Master System, ça reste obscur. Et après, on enchaîne avec Shinobi 3. Et là, tu te fais Shinobi, The Revenge of Shinobi et Shinobi 3. Sauf que, donc, voilà... beaucoup n'ont connu que The Revenge of Shinobi. Et là tu te dis, attendez, vous avez fait un comptage à la George Lucas. Et je suis mouru, c'est dommage, il y avait un power-up juste là. Alors, j'ai pas fait la version... Enfin, j'ai pas de souvenir de la version Game Gear.
Est-ce qu'elle est vraiment différente de la version Mega Drive au niveau des stages ou... Hop. Dire sur le chat. Alors. Tu as 5 Shinobi en 1 sur la version Game Gear, d'accord. C'était vraiment l'époque phare des ninjas. D'ailleurs, en Angleterre, c'était très drôle parce que les ninjas étaient symboles de violence avec tous les films de kung-fu hongkongais qu'on avait. Et du coup, et tu veux pas crever, toi? Eh mince, je suis au même endroit. Ah, donc on a un jeu complètement différent sur Game Gear. Parce qu'on incarne 5 shinobi différents. Donc ouais, et donc même les nunchaku étaient interdits, considérés comme des armes en Grande-Bretagne, jusqu'à en fait censurer les nunchaks dans les Tortues Ninja. D'ailleurs, il me semble que, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, c'est bon, tu bon. Que pour faire référence aux Tortues Ninja, dans le premier film, et dans l'anime, Michelangelo se sert à... Je suis mort. Se sert assez rarement de ses nunchuks. Oh putain, j'ai déclenché la furie comme un con. Il se sert assez rarement de ses nunchuks pour les remplacer par des gadgets. Je crois qu'il a un truc avec une corde, une espèce de grappin avec une corde. Et dans le film, il se sert. Oh. J'aurais pas l'explication, mais il se sert notamment d'un chapelet de saucisse à la place de son nunchuk. Vous savez quoi? On va squeezer ce passage et on va descendre directement par là. Tiens! On va avancer un petit peu quand même, ce serait sympa de voir un peu plus du niveau. Ah, ah, il faut que je retourne par là? D'accord. Ah, il faut vraiment que je bute tout le monde en fait. Alors par contre, avec cette arme-là, les samouraïs se font défoncer un peu plus. Du coup, l'histoire, c'est donc Joe Musashi qui doit sauver sa compagne kidnappée par l'organisation Asile. Avec à sa tête, c'est Néo-Zil. Néo-Zid, pardon. Comment ça, go par là? Ah, il faut que je descende, j'ai l'impression. Alors, je descends comment? Je descends par là. Ok. Tiens, t'as cru m'avoir, toi? Ok. Tiens. Alors, c'est bien, il repop à l'infini. Ok, c'était un échec. Lui aussi se retourne assez lentement. Mais sérieusement. Pour un ninja. Oula, c'est Tandax par là. Alors j'aimerais bien avoir un peu de visque, une paire de ciseaux, ça va un peu me gonfler. Ouais, on a des ninjas sans réflexe à deux tenses.
Ah ouais, non mais... Il va me spammer jusqu'à ce que je meure, lui. Un petit peu. Ah, un petit peu dit, ouais, je crois. Ah, c'est rigolo, parce que du coup, alors ça a été développé donc par la Team Shinobi. Et on y retrouve du coup certains... certains sons de Street of Rage. Donc rappelons-le, donc Yuzuke Shiro, le compositeur de Shinobi, de Shinobi et de Street of Rage. Et premier boss qui n'a rien à foutre de... qui me défonce. Me dites pas que c'est un game over. Ah, ça va. Ah, par contre... Ouais, et sinon... Ok, il me défonce en 2-2. Est-ce que ça va lui faire mal? Ok. Alors... Ok, alors la technique pour le battre, je ne sais pas trop. Alors le son est à fond au niveau du jeu. Alors attendez, je vais voir si je peux augmenter un peu le son. Non mais le son est à fond. Hein. Alors... Ok, il me déboîte au niveau de la technique, je ne sais pas trop. Est-ce que ça lui fait mal? Quand il rampe avec son arme, jeter un ciseau dans la tête, allez. C'était pas le bon bouton. Hop. Ok. C'est pas évident. Le touche que dalle. Alors, vraiment une touche, hein. Alors, on va essayer de le marrer un peu comme ça. Par contre, il a changé un peu de couleur, j'ai l'impression. Il me laisse rien passer, cet enfoiré. Hein. Attends, vas-y, rapproche-toi. Oh, ben non! Déclencher la furie. Parce que j'ai l'air quand même de lui faire mal. Alors, attends. Tant pis, on va faire passer la technique de bourrin. Non, ouais, non, ça marche pas. Là,
Allez, rapproche-toi. Ah, c'est trop dur. Il est trop dur. Ah, il faut que je vise la tête, mais alors. Alors, viser la tête. Ok. Allez, rapproche-toi. Tu t'en rapproches pas plus. Ok. Et je. Pourquoi t'as pas sauté? Il faut un timing ultra millimétré. Je l'ai touché deux fois. C'est lui ou moi? C'est bah c'était lui. C'était lui. Ah ouais, bonne chance. Et c'était un game over. Ah ben on continue. C'est reparti. J'ai l'impression que ma webcam a frisé. Alors attendez, on va. Voilà, relancer. Hop là. Par contre, ce petit effet. Oh putain, j'ai la même connerie. Je vous dis, c'est le problème du bouton A sur la manette Mega Drive. Petit power-up fait quand même bien plaisir. Hein. Pourquoi les ninjas ont quelque chose contre les chiens? Plutôt des. Faire les chats? Expliquez-moi là. Toi, tu resteras pas là. Ça reste quand même un jeu assez exigeant. Hein. Alors, c'était un gros succès commercial. Enfin, en tout cas, il a été très très bien reçu par les critiques. Alors, putain. Donc, ce qui est, c'est pourquoi. C'est pourquoi on a eu le droit à une suite. Les bambous. Oh, je me fais encercler. Fait violer par les samouraïs. Et il faut que je retourne par là. Est-ce que ça repop à la mort? Bon, on va pas tenter. Oui, ça a l'air de repopper à mort, hein. Par contre, c'est vraiment pas cool d'avoir. Alors déjà, le pop bien vicieux des méchants. Mais alors de. Comment ça s'appelle? De limiter les shurikens en nombre. Ça va les gars? Vous êtes. Ça tu t'es ouvert.
Et encore, je me suis mis en easy. Oh putain, l'angle. Bon, après, il faut que j'arrête d'être bête un peu aussi. Et de toute façon, on s'est approché de la fin du chrono. On va essayer. Allez, allez, au moins, récupère le pot. Oh, même pas voulu. Ok. C'était tragique. Donc, The Revenge of Shinobi sur Mega Drive. Merci d'être passé sur cette émission. On se retrouve pour une prochaine émission. À la prochaine émission. Et puis à bientôt. Allez, bye.